Salut guys, bienvenue à un autre épisode de Holy Shit Man, Historius Dra, donc ben des mauvaises idées. I know right. Aujourd'hui, mes tests de géo pis de d'or plastique seront testés, I guess. Ouais, j'ai bien dit or plastique parce que holy shit, aujourd'hui on va faire des dessins trash. Holy shit, Historius Dra, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, probablement aujourd'hui que je vais mourir parce que ça concerne une petite bouteille de Tabasco right there. Maintenant, c'est quoi le rapport avec le Tabasco? Well, petite histoire courte derrière ça, j'ai vu une vidéo d'un dude justement qui faisait tourner une roulette sur le web d'une liste de pays qui sélectionnait un pays totalement random sur une roulette et puis qui devait dessiner le drapeau de ce pays-là. Aujourd'hui, j'ai le goût de faire la même affaire, cependant, une cuillerée de Tabasco est en jeu, puisque le défi dans cet épisode-là sera de faire meilleur que 75%. Aujourd'hui, on va dessiner 16 drapeaux. Tu peux avoir le meilleur score qui est 16 sur 16, mais si j'ai 75% ou plus, c'est-à-dire 12 sur 16 ou plus, je ne bois pas ma cuillerée de Tabasco, mais par contre, si j'ai en dessous de 12 sur 16, well, I got a bad fate upon me, man. Ça va être une cuillerée de Tabasco aussi. Puis déjà, genre, t'sais, personnellement, je suis habitué de manger épicé, kinda. C'est plus quand que je digère l'épicé que ça va mal passer. Puis si jamais je fail ce défi-là, demain matin, là, mon trou de péteur ne sera pas content, ça va chauffer down there, man. Holy shit, esti. Vous voyez la liste de pays qui est là, man? Holy shit. Comme je vous dis, ça va être le RNG maintenant qui va décider quel pays que je devrai dessiner son drapeau sur MS Paint. Ouais, le meilleur programme de logiciel de merde de travail graphique ever, là. Holy shit. Anyway. En général, je ne suis vraiment pas si pire en termes de drapeaux, genre en termes de faire les drapeaux de pays ou whatever. Mais mémoriser quel drapeau certains pays ont, c'est sûr que si j'ai le Canada ou les États-Unis, c'est littéralement des points donnés. C'est sûr par contre que si j'ai pas, man, j'ai la République démocratique du Congo, I'm gonna get fucked tonight. Fait que c'est le RNG qui décide ça, man. Regardez la liste de drapeaux ici. Il y a plein de drapeaux ici qui sont whack. Il y a plein de noms de pays là-dedans que je me souvenais plus qui existaient. Anyway, il y a pas tous les pays. Il y a pas genre les 192 pays qu'il y a au monde. Il y en a quelques-uns. I guess que c'est le premier résultat qui m'est venu sur le net quand que j'ai tapé genre Random Wheel Generator Country. Whatever. Fait que ceci étant dit, man, let's spin this shit. Pis en espérant que j'aie quelque chose de bon, man. Premier pays sur 16. Which is... la Pologne. Pologne. Not bad, man. Pretty easy. Fait que la Pologne, well, premièrement, si on va faire un gros rectangle comme ça. Pis ben... ligne rouge. Oups. Ouais, comme ça, parfait. Ligne rouge en plein milieu. Puis, attends une note. Par contre, la Pologne, la ligne rouge est-tu... Well, le rouge est-tu en haut ou en bas? Il y a un des deux que... Attends. Ça, je pense que c'est la Pologne. Ouais, ça c'est la Pologne. Ça se trouve être l'Indonésie. I think. Mais ça, c'est la Pologne. I'm locking in. That's it. Ça, c'est la Pologne. Maintenant, j'ai locked in, je vais aller voir sur le net qu'est-ce qu'il y en a, man. Yeah, that's it, man. 1 sur 1 à date. That's a good Pologne flag, if I do say so myself. Comme I guess que je vais y aller comme modéré sur la réalisation des drapeaux. Par exemple, si mettons les proportions sont plus ou moins bonnes, je vais quand même me donner le point. Je vais être assez loose par rapport au point. L'affaire, c'est que si j'aurais mixé le rouge puis le blanc, là, j'aurais pas eu mon point, par exemple.
Je sais pas, man. Si j'avais fait le rouge un petit peu plus beau, whatever, j'aurais quand même eu mon point. Mais en tout cas, là, présentement, le score est à 1 sur 1. À date, je suis pas mal safe. On va noter ça comme ça. Et voilà. Parfait. Fait que... Now this shit is done. Let's go. On s'en va dans un nouveau pays, man. Fait que qu'est-ce qu'on va faire vu que maintenant Poland c'est terminé? On va eliminate. Puis quand on élimine le pays, well, il ne se retrouve plus à être dans la roue. Fait que next pays, baby, man. Let's go. Deuxième pays à dessiner. Pas de la random ass shit, please. Afghan... Wait. Je pense que... Oh my god! Donc, let's go, man! Je pense que ça va être un fail, celle-là. Alright, Afghanistan. Oh my god! Je sais pas, man. Ok, anyway, tous les drapeaux sont... rectangles, à part quelques-uns. What the fuck am I doing? Afghanistan! I guess que... je sais pas, man. Laissez-moi faire des affaires, ok? Genre... Peut-être comme... Ouais, maybe some black, genre au milieu ici. I think. Si mettons je vois genre rouge... Vert... Ah, maybe actually. Ben, ta note. Maybe, actually. Peut-être... Si je mets le noir ailleurs. Si, mettons, genre, je vais noir comme ça. Ah, peut-être, man. C'est que... Ça... me semble que c'est quelque chose qui ressemble à ça, puis... C'est quoi qu'il y a au milieu? Genre, une lune? Nous, et tous les pays de... Tous les pays, genre, voyons, islam ont toutes des lunes, lune avec la petite étoile, là. I think... Je pense que je vais crisser le noir au milieu. Ok, hear me out. Je pense que je vais faire ça, ça, puis ça. Ou bien... Nah, je pense que je vais faire ça comme ça. Puis... Genre, je vais crisser une lune en plein milieu. Comme je vous dis, tous les pays islam aussi ont toutes des lunes. Oh, holy shit, that's a good moon, man. Hein, et voilà. Puis on va crisser une étoile, man. Yeah, pretty much. Et voilà. Is it good? Yeah. I don't know, actually. I'm liking this shit, man. I'm liking this shit. M'allez voir sur le net c'est quoi le reste de drapeau, là. Oh my god! Ok, j'ai les bonnes couleurs, actually. Pas dans le bon ordre. Ok, ici, ça se trouve à être le noir. Ici, ça se trouve à être le rouge. Ici, ça se trouve à être le vert. C'est pas une lune qui est au milieu, c'est... Quoi? Ça ressemble à un genre de parlement avec deux drapeaux, pis... aïe, aïe. Je me donne-tu le point? Je veux dire, j'ai les bonnes couleurs, actually. Genre, l'idée était là. Mais, par contre, le reste, c'est de la merde. Tu sais quoi? Parce que je suis actually impressed d'avoir sélectionné les bonnes couleurs. M'a me donné genre 0.25. Genre, legit, là. Tu sais, j'ai jamais vraiment parlé du système de score. Mais, grosso modo, qu'est-ce que je vais faire? C'est, tu sais, je vais me donner un point quand que. Vraiment, c'est pratiquement presque la même affaire. Tu sais, c'est comme, par exemple, le drapeau de la Pologne, c'était pratiquement la même affaire. Fait que, tu sais, je me suis donné un full point. Tu sais, je vais me donner comme 0.75 si les proportions sont plus ou moins là ou whatever. Je vais me donner comme 0.5 si les couleurs sont là. 0.25 si tout est comme massacré mais les couleurs restent bonnes. 0 si c'est absolute fucking shit. Mais je vais me donner 0.25, ok? Tu sais, j'ai pas passé avec ce dessin-là. Oubliez ça. Mais...
Ouais, point 25, man, ça me semble fair. Sur 2. Et voilà. Fait que, viens remplacer le nouveau score. Cool. J'ai actuellement surpris d'avoir eu les bonnes couleurs, par exemple. C'est juste ça que je veux dire, man. Alright, screw you. Pis, let's spin for a new one, baby. Alright, come on. Easy, man. Canada. Point given, man. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Easy, man. La Turquie, let's go. 3 points, c'est-tu. T'sais, tantôt, quand j'ai dit que tous les pays islamiques ont toutes des lunes, la Turquie, c'est exactement ça. Toi, des calices de là, man. Ok, fait que... rectangle, ça a pas changé. Yeah, tout rouge, actually. Tout fucking rouge, man. Y'a-tu des lunes là-dedans que... Oups. Y'a-tu un truc de lune que je peux faire dans les formes ici, man? Non, pas vraiment. Bon, ben, let's go aussi, on va faire notre propre lune. Alright. Fait que... et voilà, comme ça, comme ça. Holy shit, que c'est pas un cercle, mais I don't give a fuck. Comme ça, pis yeah, pretty much. Bon, voilà ma lune. Étoile. Yeah, that's it. I'm done with this shit. Turquie, there it is, man. Donne-le-moi mon point. Juste au cas où m'aller voir, là, au cas où si je me suis fourré avec un autre pays complètement différent. Hein? That's pretty spot on, man. C'est sûr que, tu sais, la lune est obèse, là, pis l'étoile est un petit peu plus crooked. Fine, whatever, ça c'est juste des petits détails, comme je vous dis, des petits détails. Si l'idée est complètement là, mais que c'est juste des tout petites affaires qui sont plus ou moins bonnes, moi me donner quand même mon full point. Whatever, man. 2.25 sur 3, let's go. Et voilà, man. Comme je vous dis, guys, le défi c'est d'avoir plus que 12 sur 16. 12 sur 16, c'est correct, mais si j'ai en bas de 12, too bad, so sad, well, ça va être une cuillerée de tabasco, man. Eliminate this piss-ass easy country. Ouais, ça record, parfait. Let's spin this shit. Ah ouais, let's go. Canada, US, UK, whatever. Oh, bro. Oh my god, easy shit, man. Let's go. Crème, man, je speedrun le drapeau de la France, si. Check it, ben ça, man. Holy fuck, is going fast, man. Blur. Yeah, et voilà. Rouge. I need some red. Et voilà. Puis, that's it, man. Toc, toc. Piss easy. Nah. C'est comme ça. Et voilà. I'm locking this shit in, man. Piss easy. Ok, fine. Vous pouvez me dire que le bleu n'est pas vraiment ce bleu-là. Encore une fois, je m'en calisse. Ça, c'est les tout petits détails que je vous ai expliqués. Ok, vous voulez avoir un bleu plus bleu, t'as gars, ça aurait dû être à la place, genre, ce genre de bleu, là. Tain, oups, tain. Êtes-vous content, man, à la place? Non, fuck off, moi, je garde ce bleu-là. Donne-le-moi mon point. 3.25 sur 4. Let's go, man, let's go. It's easy as fuck, yeah, boy. Et voilà. Sincèrement, si ça peut aller bien comme ça, là, I don't mind. Eliminate this. Pis, let's go. We spin, man. Un autre easy-ass country, please. Yo, actually, yeah, man. Yeah. Attends, wait. Je veux dire, ça, c'est littéralement le design du Union Jack. Est-ce que je m'en souviens, though? Alright, ok. Cinquième drapeau. Fucking Union Jack. Tu sais quoi, je vais actually prendre le bleu que j'ai créé tantôt parce que je pense que c'est justement ce genre de bleu-là. Là, ok, c'est sûr que... Let me figure shit out, ok, parce que... Y a bien des trucs que... Y a bien des trucs que, mettons, qu'il faut que qu'on aille en considération avec le UK flag. Genre... Let me do my shit, ok. Il faut juste que je crée un assis de Union Jack, pis tout va bien aller. Genre ça, genre, yeah. Je veux dire, là, j'ai créé le Scottish flag. L'affaire, c'est parce que le drapeau des UK, c'est littéralement le Scottish, le... Wait, non, attends, non, le Scottish, c'est... voyons.
J'ai complètement messed up, mais genre ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça, puis ça comme ça. Yeah. Yeah, ça c'est le Scottish flag, genre sur le côté comme ça. Mais là, c'est ça l'affaire, c'est que le UK flag, c'est littéralement tous les drapeaux en même temps. C'est le Scottish flag, c'est le England flag. Justement, le England, on va le faire live right now parce que c'est legit une croix rouge sur background blanc. Fait que, genre, comme ça. Alright, pretty good. Puis, actually, il y a des trucs, c'est genre. T'as net. En prendre ça comme ça. Genre, quelque chose comme ça. C'est pas vraiment au milieu, c'est comme. Anti-horaire. Comme ça. Pis comme ça, genre. Actually, man. Actually, je suis pas mal satisfait de. Yeah, parce que je sais que c'est les lignes rouges sont pas vraiment au milieu. Mais je crois qu'elles sont comme dans le sens anti-horaire, ou à moins que ce soit comme de ce bord-là, puis de ce bord-là. Nah, I think I got it. I think I got it. Log it in this shit, man. Yeah, log it in. On va aller voir maintenant sur le web. Yeah, actually, that's it, man. That's pretty good. I guess que les lignes rouges sont plus thick. Mais, comme encore une fois, comme je vous dis, l'idée est là. À cause que l'idée est là, je me donne le full point. Yeah, that's pretty much it, man. 4.25 sur 5, ici. À date, ça va vraiment bien, je veux dire. J'ai des pisses easy pays, là. Ça, c'est le RNG, man. Et voilà, tu sais, le seul vraiment qui m'a fucked up hard, c'est Afghanistan, là. Screw that. Ok, ciao bye UK, man. Dire qu'en plus, le pays qui était juste en bas, c'est fucking République démocratique du Congo. Yo, si on pogne ça, là, oubliez ça, man. C'est sûr que j'ai pas mon point. Alright, let's go. Let's go. Alright, un hard-ass pays, man. Let's go, aussi. Un pays que je vais genre être, what the fuck is this? Taiwan? Bro. Oh man, Taïwan, style. La petite île que, well, la Chine ne veut pas reconnaître, là, parce que ça leur appartient, apparemment. I don't fucking know, man. J'ai pas d'idée pour Taïwan. Well, c'est un rectangle, ça je peux vous dire. Bro, dessus, moi, attends une minute. Oh, yo, check this shit out, man. Ok, je veux dire, on va y aller avec les couleurs de base comme du rouge, du blanc, du bleu, parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, là, mais plusieurs pays dans le monde ont ces trois couleurs-là. T'as une note. Let me do my shit, là. Oh my god, c'est sûr que j'aurai pas de points avec celle-là. Bleu. Ou l'autre bord, man? Tu sais quoi? On va y aller comme ça. Ah, je sais pas, man. Ils ont-tu une étoile, eux autres? Ils ont une étoile au milieu, genre? Oh, dude, actually, je sais pas, man. Ils en ont-tu deux étoiles? Ils ont-tu les quatre étoiles comme ça, comme la Chine, man? Ou les cinq, plutôt? I don't fucking know. yo, attends une minute, là, je bloque. Yo, c'est quoi, man? Fuck it. Actually, man. Je verrais ça comme... yo, je verrais ça, moi, comme drapeau de Taïwan. J'ai pas plus d'idée que ça, fait que... I'm gonna lock in on this shit. C'est 100% sûr que j'ai pas mon point, Calis. On va aller voir ça sur le net. Oh my god, ok. Actually, il y avait du rouge, du bleu pis du blanc. Actually, man. Sauf que... alright. C'est juste un petit carré ici qui est bleu. C'est pas une étoile, c'est un soleil. Well, I guess que le soleil est une étoile. Mais... yo, non, screw this. J'ai pas de point avec ça, man.
Non, je me donne pas de points. On reste sur 4.25. Par contre, ça, c'est le sixième drapeau. Alright, 4.25 sur 6. T'sais, je vais être quand même assez strict dans mon système de score. La seule raison pourquoi je me suis donné 0.25 avec Afghanistan, c'est parce que j'avais comme l'idée des trois couleurs. Puis, actually, les trois couleurs étaient bonnes. Sure, là, j'ai encore les trois couleurs, mais l'affaire, c'est que ici, c'est un carré au lieu d'être deux lignes, genre, you know? Anyway, j'ai pas de points avec celle-là, man. J'ai massacré leur drapeau. I don't care, man. Y'a aucun dude de Taïwan qui va regarder cette vidéo-là. I swear, I hope, en tout cas. Alright, prochain drapeau que je vais massacrer. Oh yes, baby. Let's go. Don't give me any shit. Argentine. Actually, j'ai une bonne idée. Wait, il faut que je scribble un peu sur MS Paint, man. Actually, not gonna lie, là, ça c'est un crisse de beau drapeau, là. Mais Argentine, I think I got it. Je le sais qu'il y a du blanc, il y a du bleu ciel, puis il y a un soleil en plein milieu du drapeau. L'affaire, c'est que si je fais le drapeau bleu ciel, est-ce que le blanc est au milieu ou est-ce que le bleu ciel est au milieu? Je pense que c'est quelque chose qui ressemble à... Well, avant par contre, tu sais quoi? On va mettre ce noir. Fuck! Et voilà! Le bleu ciel, maintenant... Là, ça, je ne le sais pas. Parce que je sais qu'il y a du blanc, il y a du bleu ciel. C'est-tu comme ça puis le soleil au milieu? Ou c'est comme ça puis le soleil au milieu? I think c'est comme ça. Là, holy fuck, man. Il faut que je dessine un Christ soleil. Let's go, man. Yeah. Alright. The sun's gonna be cool, esti. Holy fuck. Yeah. Ah, si je veux faire le soleil des Teletubbies, man. Je pourrais juste littéralement prendre le soleil des Teletubbies puis crisser ça là-dedans. Yeah. Parce que le soleil va être cool en crisse, man. On va lui donner des shades ici. Ok, je sais, ça va être un peu poussé là, man. Et voilà. Et voilà, man. That's pretty good. Fuck. Damn, man. That's a pretty good sun, man. Tu sais quoi, on va arrêter le niaisage, puis on va faire... Écoute, je sais pas, là, t'as... Y a-tu un sourire, ce soleil-là? I guess? Bro, I'm locking this shit in, man. I'm locking this shit in. Ma calice. I swear to God que si j'ai les bonnes couleurs, puis le soleil, il sourit en plein milieu, là, j'ai tous mes points, man. Yo, je suis pas capable de dessiner des astuces de soleil. On va checker ça sur internet. Yeah, man. That's pretty good. Soleil, il a pas l'air de sourire à la vie, là. Soleil, il est bien neutral. L'idée est là. Les proportions sont plus ou moins correctes, I guess, parce que le blanc, ici, t'es beaucoup trop épais. Mais, non, comme je vous dis, man. C'est les bonnes couleurs. Le blanc, les bleus sont à la bonne place. Il y a actually un soleil. Ok, sure, le soleil, il a pas l'air de sourire à la vie, là. Il a l'air dépressé à shit, là, mais... non, je me donne le point, man. 5.25 sur 7. Let's go. Et voilà, man. That's pretty good. À date, par contre, j'ai-tu environ 75%? Je pense que je suis comme pif-pif à 75% si on fait 5.25 sur 7 en pourcentage, I think. Je suis kinda là, mais ça, c'est juste encore une fois le RNG de pas prendre des assises de pays whack. Hey, let's go, man. Fier en tabarnak de mon Argentina, là, mais get the fuck out. And we choose a new one. Let's go. Oh yeah. Oh my god. Ok. Il y a l'Union Jack en haut à gauche. Drapeau, il est bleu.
Puis, Chris, c'est combien d'étoiles? Oh, fuck, man. Ok, ça, il faudra que je figure out this shit. Alright, you getting the fuck out. Actually. Wait, attends, ça c'est mon score, là. Je peux-tu faire back jusqu'à temps que je retrouve le Union Jack? Parce que je vais en avoir besoin. Je sais pas jusqu'à où que MS Paint tu peux faire back, là. Holy fuck. Voilà mon... Yes, actually. Oh my god. Ok, ça c'est mon score, parfait. Ok, fait que... We taking that, man? We taking that? Copy. Whoops. Ça comme ça. Ça, plus besoin de ça. Alright, on crisse le drapeau. Premièrement, il est tout blur, right? Yeah. Union Jack revient ici, man. Parce que... Et voilà. Pretty much. Parce qu'il y a ça sur le côté, man. Il y a ça sur le côté. Cool. Maintenant, je pense que c'est juste des étoiles blanches. Mais il y en a combien? That's the thing. Parce que l'Australie et la Nouvelle-Zélande se ressemblent kind of sort. Fait que... Y en a-tu une qui est plus grosse que les autres, comme ici? En gros, grosse étoile ici. Là, t'as comme... Je sais pas, man. C'est une couple de petites étoiles. Actually? Yeah, I'm liking this shit, man. Looking good to me, man. Yeah. Ouais, I'm liking this shit, man. On va aller voir maintenant sur le net à quoi que ça ressemble, le drapeau d'Australie. Alright, let's go. Oh my god. Ok. C'est pas des étoiles, c'est genre des étoiles à genre 7 tiges au lieu de que ce soit des étoiles à 5. Il y en a juste une qui a 5 tiges, qui est comme au milieu du drapeau. Moi j'ai crissé 5 étoiles, eux autres ils en ont 6. La grosse étoile, actually, j'étais pas loin. Genre il se trouve à être un petit peu plus au milieu, mais I guess it's close enough. J'ai oublié une étoile par contre, puis c'est pas les bonnes types d'étoiles. Le Union Jack est là, le background bleu est là. Fait que, actually, je vais pas me donner tous les points, mais genre, je vais me donner 0.75. Is that fair for you aussi, guys? Yeah? Fait que, 6 sur 8, man. 6 sur 8. Je veux dire, si j'avais eu une 6e étoile, probablement que je me les aurais toutes donné mes points. Mais, Non. Point 115. It's good enough que si, mettons, tu présentes ça à quelqu'un qui te dit ça, oh, c'est l'Australie, mais c'est pas exactement la bonne affaire. Fait que point 115, it is. Alright, fait qu'avec l'Australie éliminée, man, on a fait la moitié. Holy shit! Puis j'étais à 6 sur 8, actually, 75%. Pile flush. Là, faites juste pas me donner des fucking pays bâtards, please. Je suis sur une bonne voie, là. RNG is pretty good right now. Fuck. Actually, fuck. Je veux dire... Je sais c'est quoi les couleurs. Don't get me wrong. Dans quel ordre, par contre? Et puis déjà, avec le conflit de l'Ukraine-Russie, là, je devrais genre savoir exactement à quoi qui ressemble le drapeau de la Russie. Hey, nous, on va scribble ça sur MS Paint. Ok. Fait que toi, décalise de là. Maintenant, la Russie. Ça avait été l'Ukraine. Ça avait été pas super. Je veux dire, Chris... À force de voir le conflit Ukraine-Russie, j'ai bien mémorisé c'est quoi le site drapeau de l'Ukraine, mais la Russie, par contre, comme je vous dis, il y a 3 lignes. C'est bleu, blanc, rouge. Je pense que le blanc est sur le top. Blanc, bleu, rouge? Let me do my shit, man. Let me do my shit. Pretty promising, mais attends, nous j'hésite en... Non. Yeah, log it in.
Logan. Yeah, pretty much, man. Full point on that, man. Fait que 7 sur 9 it is. Let's go, c'est easy game. Easy. Tant que vous me donnez pas des SPIWAC, man, tout va bien aller. Et voilà. Ok, on crée ça là. 7 sur 9, baby. Ok, on élimine des shit. Tu sais comment en bas, il y avait genre Albanie, Kenya, Thaïlande. Let's go, man. Let's go. Il y a encore plein de pays wack là-dedans que. Bro. Donnez-moi des acides points, man. I don't give a fuck. Alright, ba-boudi-ba-ba, et voilà, ça comme ça, yeah, Canada match. Ça va faire qu'il va faire chier, c'est faire une feuille, là. Ça avait été juste de moi si je prendrais une feuille sur Google Images, puis je la crisserais en plein milieu. Oh my god, bon, ok. Si jamais on pogne Pérou, voilà, j'ai créé le pays de Pérou. Mais là, c'est faire une feuille, man. Tabarnak. Oh my god. Ok. C'est quoi? Tu sais quoi, actually, je vais prendre. Ce qui me permet de faire des freeform. Yeah. Yeah. Genre, bro. Oh, bro, ça va être saccagé comme le Chris. Oh my god. Ah, dude, je m'en calisse. Ah, it's looking pretty good, man. Quoi, vous êtes juste jaloux de ma feuille, man. Et voilà. Oh, dude, c'est une feuille de pote. Oh, bro. Ah, oh, c'est-tu que c'est cassé? Ah, tabac. Parfait, man. Bro, that's fucking chef kiss, man. Ah, donne-moi mon point, esti. Je sais même pas pourquoi j'ai tapé Canada flag, sérieusement, sur Google, parce que je sais que le drapeau ressemble à ça, tabarnak. Je suis juste curieux à quel point que j'ai massacré la feuille d'érable. Donne-moi mon point, man. Tabarnak. Hey, 8 sur 10, man. Pretty good. Quoique, donne-moi deux autres drapeaux whack, là, pis j'ai mon 75%. Donne-moi-en 3, pis that's this shit on my throat. Calice. Le plus triste là-dedans, c'est que je dois éliminer le Canada. Fait que, ciao bye Canada, man. Si je l'avais pas éliminé, il aurait été encore là-dedans. Puis j'aurais eu une chance encore d'avoir eu un point gratos. Master, we spin this shit. Fuck. Calice. Je sais à quoi qu'il ressemble, mais... Oh mon dieu, c'est une fuck tonne de couleurs, ça. South Africa? Oh my god! Ok, fait que South Africa, hein? That's gonna sucks. Fait que ça... South Africa, l'affaire, c'est que je sais à quoi qu'il ressemble. Genre, c'est un genre de Y comme ça, genre si on veut, avec une ligne en plein milieu. Le truc, c'est quelle couleur que c'est, Internet. Si mettons, je vais avec vert. Oups, c'est pas décoré que je veux faire, man. Ok. Genre comme ça. Comme ça. Comme ça. Parce que. Ok. Bon. Il y a quelque chose comme ça. Puis là, l'affaire, c'est que c'est plein de couleurs, cette affaire-là. Tu sais, il y a du rouge, il y a du bleu. Bon, mais est-ce que le rouge va là, le bleu va... Actually... Man, wait. Où c'est que le rouge... Ou le bleu, puis rouge? C'est... I fucking got something, man. Bleu, rouge? Si je vais avec vert... non, c'est... Wait, non, c'est pas vert. Jaune? Vert? Il y a du noir, me semble, dans ce drapeau-là. Attends. Peut-être noir... Jaune... Vert? Parce que... Où c'est qu'il serait le jaune? Je sais, il y a du jaune. Genre, il y a du bleu, du rouge, du jaune, du vert. Est-ce que c'est juste comme la séparation... Oups. La séparation de toutes les couleurs avec le noir?
Yo, actually, je suis en train de faire la Jamaïque, là. Mais, that seems good, though. That seems good. C'est juste le jaune serait beaucoup plus épais que ça. Yo, j'ai quelque chose, man. Quoique, peut-être que le rouge il est là, le vert. Non, je pense pas. Peut-être le vert pis le bleu sont pas bons. Non, actually, j'irais comme ça, man. Yeah, I'm looking this shit, man. Ouais, let's go. Je m'en vais voir sur le net. Parce que je suis convaincu que toutes les couleurs. Même, tu sais, je suis convaincu qu'il y a du noir, bleu, rouge, vert, jaune. Je sais juste pas dans quel ordre. Puis ça me fait chier. Mais I'm looking this shit, man. Fait que je vais aller voir sur le net. Oh my god. Ok. Il y a. Les couleurs, ok, il y a rien qui est bon, excepté le jaune qui est ici, là. Genre, la ligne jaune qui est là, c'est la seule affaire de bonne. Le noir, ça se trouve à être... well, le noir aurait été le triangle ici. Le vert aurait été là. J'ai switché de place le bleu puis le rouge. Puis il y a du blanc. Le design, il est là, par contre. Je veux dire, le design, il est là, les couleurs sont là. Mais par contre, c'est pas mal juste ça. Le seul truc que j'ai eu de bon dans les couleurs, c'est le jaune qui est là. Fait à cause que le design est là, puis mais c'est juste les couleurs qui ont été massacrées, je vais faire comme l'Afghanistan, me donner .25. Parce que, tu sais, l'idée est là, mais tabarnak que c'est pas les bonnes couleurs, c'est, sont pas à bonne place. .25 it is. Fait que 8.25 sur 11. Oh mon dieu. Ça fait chier. Alright. Au moins, j'ai eu 0.25. Au moins. Peut-être que c'est ce 0.25 là qui va me sauver la vie. Maybe, man. I don't fucking know. Eliminate this shit. Let's go. Spin to win, baby. Woo! Woo! Hoo-hoo! Right, yeah, raise the roof. Yeah, raise the roof. What the fuck? Ouais, je pense que t'es de plus en plus belle à chaque fois quand on tourne cette calisse de roue-là, man. Kenya, là, la seule raison pourquoi que j'ai une petite connaissance du drapeau de Kenya, c'est parce que j'ai joué à Democracy 3 Africa, puis je le sais que Kenya, il y a genre un bouclier au milieu. Let me do my shit, puis on va voir, man. Je veux dire, ok. Je pense que c'est du blanc, du rouge, pis du vert? Ou du noir? Attends. Le rouge, premièrement, il est au milieu? Ok, let me do my shit. Je pense qu'il y a du rouge, pis il y a du vert. Fait que si, mettons, on fait du rouge, pis du vert. Le rouge est-tu là? Le vert il est... Bro, je viens juste de créer la Hongrie, man. C'est pas ça. Le rouge est-tu là? Ou peut-être, attends. Le noir... Pis le vert? It's do looking good, though. T'as note. L'affaire, c'est que je sais qu'au milieu, il y a un genre de bouclier rouge, ou kind of sort of. Il y a un genre de truc comme ça. Puis, et voilà. Puis, il y a comme un genre de motif rouge à l'intérieur. Je sais pas si c'est le rouge qui est au milieu. Attends, le vert, est-tu en haut ou en bas? Si je vais comme... Oups. Si j'y vais comme ça à la place. Fuck, man, vous me faites chier. Is it good, though? Nah, actually, je pense que c'est plus comme ça. Pis là, ben, comme c'est ça, je vous dis, là, ça ressemble à un genre de bouclier, mais... il est rouge aussi, I think.
Tu sais quoi, je vais faire le dessin d'un bouclier, là. I guess. Genre comme ça. Oh my god. C'est l'heure de massacrer des drapeaux aujourd'hui. Let's go, man. On massacre des drapeaux. Bro, on va faire un plus au milieu parce que... Je sais pas, man, c'est nice, ça. On va faire un design de bouclier, man. Et voilà. Looking good to me, man. Yeah, pretty much, man. Et voilà. Pis on color all this shit blanc, man. Moi, je m'en calisse, mais j'y vais avec ça, hein. Genre, quelque chose qui ressemble à ça, man. Comme je dis, probablement que l'idée, encore une fois, va être là. Que les couleurs vont être massacrées, mais que je vais peut-être gagner 0.25, I don't know. Mais I'm locking the shit in, man. Ouais. Je suis pas vraiment satisfait, là, mais Chris, je peux rien faire de mieux, Rusty. Actually, man! Yo, actually! Je t'approche? Ok. Les couleurs sont à bonne place. Le shield que j'ai totalement massacré, sure. L'affaire, c'est qu'il y aurait eu plus de noir au milieu, puis des lignes blanches. Je me donne pas le point au complet, parce que j'ai oublié deux petites affaires, comme, mettons, les lignes blanches entre les couleurs. Le noir qui se trouve à être à gauche puis à droite du shield. J'ai fait mes petites affaires blanches. Bro, actually, j'hésite entre 0.5 ou 0.75. Je pense que... je veux dire, vu que je me suis donné 0.75 avec l'Australie, genre ça, c'est la référence que je vais me prendre. T'sais, l'Australie, j'ai oublié une petite affaire. Là-dessus, j'ai oublié quelques affaires. Fait que je pense que je vais me donner 0.5. Ouais, 0.5 seems pretty fair enough. Fait que 8.75 sur 12. Yeah, looking fine to me, man. Hey, j'en reviens pas que j'ai eu les couleurs actually à la bonne place. Je pensais que j'allais massacrer le shield, mais en fait massacrer le drapeau au grand complet. Mais non, actually, je suis pretty fier de qu'est-ce que j'ai fait. Yeah. Comme je vous dis, la seule raison pourquoi que j'ai eu des points avec Kenya, c'est justement à cause de Démocratie 3 Africa. Merci, Démocratie 3 Africa. Tu m'as permis de faire 0.5 points, let's go! High spin, asti. Yeah, yeah, asti, man. Yeah, boy. Oh, shit. La Corée du Sud. Do I go, Ouais, encore une fois, let me do my shit, pis on va voir, man. Toi, de go, les autres là. Ok, Corée du Sud, l'affaire, c'est que le drapeau, il est pas mal blanc. T'as genre le yin-yang au milieu, pis rouge, pis bleu. Ok, encore une fois, let me do my shit, on va voir après. Et voilà. Là, vous allez me dire, regarde, t'as juste créé le Japon. Hey, let me do my fucking shit, ok? S'en vient, man. On va faire un yin pis yang. On va essayer, en tout cas. Genre. Et voilà. Yeah, that's looking pretty good, man. Par contre, c'est-tu comme ça ou comme ça? Actually, j'irais comme ça, man. On dirait que je suis en train de faire le logo de Pepsi, man. Je pense que c'est comme ça. Puis, je pense qu'au milieu, il y a des points blancs. I think. Ah, maintenant, je suis plus ou moins sûr. Par contre, y a-t-il une séparation blanche entre les couleurs? Encore une fois, let me do my shit. Actually, maybe, man. J'ai créé le logo de Pepsi, right? My god, yes, man. Il y a peut-être les ronds au milieu, comme je vous dis. Et voilà. Yeah, yeah. Puis aussi, je le sais que sur chaque côté de drapeau, il y a comme des lignes. Genre... Attends, m'a faire des lignes. Et voilà, comme ça. Comme ça.
Ok, good. Puis si, mettons, je prends ça comme ça. Alright, copier. Genre comme ça. On va faire ça comme ça. Cool. Je sais, ils sont pas vraiment... Yeah, ça ressemble à quelque chose comme ça, man. L'affaire, c'est que... Je le sais qu'il y a aussi... Genre, lui, me semble, c'est toutes les lignes pleines. Lui, me semble, il y a comme une coupure en plein milieu pour les trois. Lui, me semble, c'est quoi? C'est juste lui qui est au milieu, puis lui, c'est les lui qui est en haut, puis lui qui est en bas. Quelque chose comme ça, man. Ça, puis... L'affaire, c'est qu'il y a-tu une séparation blanche? Écoute, je sais pas si c'est une séparation blanche, mais je pense qu'il y a pas de point. I think. Bon, y a-tu une séparation blanche? Je le sais pas, actually, man. Oh, mon Dieu! Je pense qu'il y a pas de séparation blanche. Ah, I'm looking this shit, man. Let's go. Au pire des pires, je perdrais 0.25 là, parce que c'est pas plus ou moins accurate là. Je sais pas, mais aussi, me semble que dedans, y a pas de point blanc. I'm looking this shit, man. On verra qu'est-ce que ça va donner là. Ah ouais, let's go internet, man. Yo, c'est on the spot. C'est on the fucking spot. J'ai même deviné exactly les affaires ici, man. Genre, je savais qu'il y avait comme trois lignes pleines, trois lignes vides au milieu. Un qui était... Genre, je savais que les trois pleines étaient ici, les trois vides étaient ici. L'affaire, c'est que je savais plus si c'était les deux qui étaient là, ou vice-versa. J'ai eu des shit comme il faut. Puis le yin et le yang, le rouge est en haut, le bleu est en bas. Il y a pas de séparation. J'ai mon point au complet, man. Actually, surpris légitimement, man. Actually, je suis surpris, man. J'aurais sincèrement pensé avoir fait une erreur à quelque part, là, mais... 9.75 sur 13. Let's go, esti. Esti, man, that's good as shit, man. La Corée du Sud ayant eu mes full points, puis le Kenya ayant eu, genre, la moitié des points, là, ça va probablement me sauver le cul. Littéralement puis figurativement, tabarnak. Ok, fait que là, it's all an RNG, parce que si j'ai un autre crise de pays bâtard, c'est game over. Fait que, eliminate South Korea. Oh my fucking god. Spin it, baby. Let's go. Big money, big whammy. Big money, big whammy. Oh. Piss easy. Piss easy, man. J'ai même mimé tantôt comme quoi que j'ai fait. Ah, oh, j'ai fait le drapeau du Japon. Calice. Tu sais quoi, même, on va même prendre à partir de là, man. Fuck this shit, et voilà. Puis, toi, t'es plus là, et voilà, on delete this shit, sauf que là, ça va être en rouge. No thanks. Delete this shit, delete this shit, puis delete this shit. That's it. I've done it, man. J'ai même pas besoin d'aller voir sur le net, si je le sais qui ressemble à ça. 10.75 et voilà sur 14. Yeah, I win. Pas vraiment, il me reste deux autres crisp pays. Deux autres piss easy pays, man. Comme je vous dis, un autre pays atroce, pis I'm done, man. Eliminate, ciao bye toutes les oui à boussal, pis let's go, spin it for the win. Yeah, big money, big whammy, let's go. Bro. Ok. Piss easy encore une fois, man. I'll take it. Bon, ok. Toi, tu décolles de là. Bon, là, c'est du bleu, du blanc, pis du rouge. Toutes les couleurs patriotiques. Oh my fucking god. Faudra que je fasse 50 étoiles, hein. Alright, let's go. Ça, pis là, il faut que je fasse bien des lignes. 13 lignes, to be exact, représentant les 13 colonies d'origine. Et voilà. Ok, sauf que là, je suis en train de massacrer. Actually, non, peut-être pas. T'as note. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, je... Ok, je vais les faire un petit peu plus petites, les lignes.
Yo, est-ce que les lignes sont crush, man? Oh my god! Alright. Et combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parfait. Représentant les 13 colonies, comme je vous dis. Sauf que là, c'est sûr que c'est un petit peu botché ici, là. Mais arrangez ça deux secondes. Je suis, man. Je peux pas faire un drapeau si laid que ça par rapport aux États-Unis d'Amérique. Oh my god! Et voilà. Je vais arranger ça, Calis. Boum, bim, bam. Yeah, comme ça. Puis on va enlever un petit peu de rouge ici. Tiens, it's gonna be good, man. It's gonna be good. Ok, je n'ai toujours 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Là, il faut que je fasse ces calices de toutes petites étoiles. Ok, il y en a 5 x 6, puis les... En tout cas, je me comprends, là. Oh my god. Ok, tu sais quoi? Il y aura bien des copier-coller là-dedans, man. Fait que ça, ça... Ouais, il faut que je fasse ces 50 crises d'étoiles, man. Ah, oh, c'est gonna be long. Putain, looking good to me, man. Looking good to me. Dude, ce jeu-là, ça c'est un projet artistique, man. Et voilà, comme ça. Parfait. Combien déjà qu'il y en a, aussi? Là, il y en a 30, right? Parce que je sais, il y a 50 états, là. Et voilà, comme ça. Puis je pense qu'à tous les petits milieux ici, il y a toute une autre fucking... Ah! Man! This shit's gonna be long. Et voilà. Looking good, man. Faut juste toutes placer les étoiles, une par une. Holy fuck, man! Holy shit! Tu sais, quand j'ai dit au début de la vidéo qu'il fallait que je fasse accurately tous les drapeaux pour gagner mon Christy de points. Yes, il manque une étoile aussi, puis t'auras la moitié de tes points. Calice. Oh, man. J'aurais pu juste faire étoile x 50. Tiens. Je sais pas si vous voulez compter, là, mais il y en a 50. Là. 6, 11, 17, 22, 28. 33, 39, 44, 50. That's it, I'm locking in, man. Et voilà, on va aller voir sur le net. Yeah, that's it, that's all, man. I'm getting my point. 11.75 sur 14, actually. Ça veut dire que si jamais j'ai un esti drapeau whack en tabarnak, ça veut dire que j'ai perdu le défi. Suffit d'avoir 0.25 pour remporter ce défi-là. Oups. Oh mon dieu. Actually RNG là-dessus. Éliminé. Let's go. We doing this shit. Genre, si j'ai un pays comme Madagascar, ou ben, je sais pas moi, Sri Lanka. Oh, oubliez ça, man, I'm done. I'm fucking done. Spin. Si c'est pas si easy, tant mieux. Actually, I think we got it, man. Le Niger, ça ressemble à... India. Ça ressemble à l'Inde. I think I got it, man. I think I'm safe, actually. Genre, le Niger, là... C'est... Comme je vous dis, ça ressemble pas mal à l'Inde. L'affaire, c'est les couleurs. Je sais que c'est un mix de vert, de blanc, pis de orange. De ce sens... Whoopalay. De ce sens-là. Mais... Pis il y a aussi un cercle orange au beau milieu. Et voilà. I think I got it, guys. Malheureusement, même si je fuck mes couleurs, le drapeau va quand même assez ressembler. Là. C'est quelque chose qui ressemble à ça. Ou ça. C'est un des deux. Mais l'affaire, c'est que... J'ai assez les détails de ce drapeau-là. Je pense que Chori, c'est comme ça. J'ai actually assez les détails de ce drapeau-là que si jamais j'ai mixé le vert puis le orange... Ça va me donner quoi? Point 25? Yeah. Comme j'ai fait avec l'Afghanistan pis tout. Les détails sont là. Mais actually, je vais quand même aller voir sur le net parce que I'm locking this. Puis je vais aller voir.
Actually, même il y a pas de oh si j'ai mixé les couleurs, les couleurs sont juste toutes bien placées. That's it. 12 points sur les 15 sur 16. Actually, pour vrai, good fucking RNG là-dessus. Hein. Est-ce que je suis content d'avoir réussi le défi? Yeah, kind of, man, kind of. Je sais qu'il y a du monde que présentement ils sont sûrement comme oh tabarnak, Dario Jutra, man, t'aurais dû fail, Callis. Too good at this game. Comme j'ai dit au début de la vidéo, je connais beaucoup de pays par rapport à leur drapeau. C'est sûr que la liste que j'ai utilisée, là, ta note, là, je vais vous montrer la liste. Là. Genre, si on fait éliminer, là, c'est sûr que cette liste-là, c'est pas tous les drapeaux, c'est pas tous les pays du monde. J'en conviens que là-dedans, il y a beaucoup de pays comme populaires, si on veut. Il y a aussi beaucoup de pays que, comme j'ai dit, Sri Lanka, Albanie, Soudan, Madagascar, j'aurais probablement pas eu, même Philippines. J'ai été vraiment merdeux, là, sérieusement. Oui, mais il y a deux Albaniens. Ben oui, toi aussi, il y a deux Albaniens. Il y en a un ici. Chris, les chances que j'avais Albania sont quasi élevées. Anyway, j'ai eu un bon RNG au total. Parce que je vois des pays là-dedans que je sais que j'aurais messed up. Là. République démocratique du Congo ici. Colombie. Ouais, même à la limite, Thaïlande. Ouais. I guess mon RNG était juste pété, là. Pour avoir eu 12 points sur... C'est ça, right? Yeah, 12 points... Note finale, 12 points sur 15 sur 16. Je vais aller voir vite, c'est combien en pourcentage. Putain, j'ai eu 79.79, on va arrondir, nice. Sur 100. Pour 100. Whatever. J'aurais passé mon cours de géo. En secondaire 5, I guess. Non, mon cours de géo en secondaire 5, c'est juste placer les pays. Là. Ça aussi, by the way, je suis quand même très très bon. J'ai toujours été bon en géo. Que ce soit les pays des drapeaux, que ce soit placer les pays sur une carte du monde. J'ai toujours été bon. Comme j'ai dit au début d'épisode, je suis assez bon dans ce genre d'affaires-là. Mais comme j'ai dit aussi tantôt, mon RNG était pété. Tu sais, j'ai eu Canada, États-Unis. Qu'est-ce que c'est, bro? C'était des points donnés. Là. Kenya, j'ai actually été surpris. Taïwan, j'avais juste légitimement aucune idée. Je pense que Taïwan a été mon pire. Mais overall, pas de Tabasco for me today, man. Anyway, fait que si vous avez adoré ce concept-là, je veux dire, probablement qu'en ce moment, vous êtes genre, oh tabarnak, c'est un jour. Bro, I'm safe, ok? Tonight, I can live, tabarnak. Pas de Tabasco for me, man. Mais peut-être que je vais refaire une vidéo comme ça. C'est le fun à faire. Pis peut-être que même vous êtes à la maison, genre, oh tabarnak, je veux que Historia Ultra souffre en buvant du Christ Tabasco. Well, peut-être un prochain épisode. Comme je vous dis, si jamais ce concept-là vous intéresse, marquez-le dans les commentaires, ça va me faire plaisir de recommencer. Peut-être même avec une liste un peu plus élargie que la liste que j'ai utilisée, parce que comme je vous ai dit, ils ont pas tous les drapeaux, les tabarnak. Fait que avoir tous les drapeaux des 190 quelques pays du monde, là, Ça va être rough comme le tabarnak. Fait qu'anyway, c'était ça, Ultra. Et puis, le défi a été gagné. On va se retrouver à un prochain épisode.